Bonjour tout le monde, leçon 166. Les dons de Dieu me sont confiés. Toutes choses te sont données. La confiance de Dieu en toi est illimitée. Il connaît son Fils. Il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à son bonheur. Ne retenant rien qui puisse contribuer à son bonheur. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons ne sont pas reçus. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que la sienne? Voilà le paradoxe qui sous-tend le faire qui produit le monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu, ainsi n'est-il pas réel. Or, ceux qui le pensent réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté, une volonté qui conduit à des effets opposés à ceux qu'il veut. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge certain, solide, digne de confiance et vrai, croit en deux créateurs, ou en un seul, lui-même, mais jamais en un seul Dieu. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si évident qu'ils puissent devenir, si urgemment qu'ils puissent être appelés à les réclamer comme siens, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, contredire la vérité et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. Est-ce que tu veux être en paix? Est-ce que tu veux être heureux, en paix, ou est-ce que tu veux avoir raison? Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Sans le monde qu'il a fait, il est un paria, sans demeure et apeuré. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré et sans demeure aussi. Un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va, et même qui il est réellement. Or, dans ces errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous connus de lui. Il ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Quand même, il va errant dans la misère et la pauvreté, seul, alors que Dieu est avec lui et son trésor si grand que tout ce que le monde contient est sans valeur devant son immensité. Il a l'air d'une triste figure, las, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde et les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Il n'en est pas un qui ne se soit identifié à lui, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite et le désespoir comme il le ressent. Aurait-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre? Il a l'air d'une triste figure, las, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde et les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Il n'en est pas un qui se soit identifié à lui. Chacun de ceux qui viennent ici
a suivi la voie qu'il emprunte et a ressenti la défaite et le désespoir comme il le ressent. Oui, nous avons tous ressenti la défaite, le désespoir à un moment donné. Et nous croyons qu'il pourrait en être autrement, en fait. Que si on avait pensé, enfin pas pensé, si on avait fait autre chose dans ce monde, si on avait agi différemment, si on avait fait d'autres choix, on n'aurait pas vécu la défaite, la lassitude, l'épuisement, la solitude, le désespoir. Mais c'est faux, c'est impossible. Tout le monde le ressent. À un moment donné, plus ou moins long, ça dépend des leçons que nous avons à apprendre et donc des vies que nous incarnons. Mais tout le monde le ressent. Dans un domaine, dans un autre, à un moment donné, plus ou moins longtemps ou plus ou moins souvent. Arrêtez de croire que vous auriez pu faire dire quelque chose, ou les autres auraient pu faire dire quelque chose qui aurait changé ça miraculeusement, et que grâce à cette chose, vous n'auriez pas ressenti de défaite, vous n'auriez pas fait l'expérience de la défaite, du désespoir, de la pauvreté, etc. C'est impossible. Ce monde est fait pour ça. Donc déjà, vous pourrez corriger cette idée qui est plus qu'une idée, qui est une croyance, que tout le monde pense dans son coin, faisant évidemment bonne figure devant les autres, en disant « non, tout va bien, merci bien ». Et toujours en pensant qu'il pourrait en être autrement. Il ne peut pas en être autrement ici. Rassurez-vous, ce n'est pas vous le problème, c'est le monde que vous avez fabriqué le problème. Si vous n'y aviez jamais pensé, pensez-y à partir d'aujourd'hui. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Voilà l'âne que tu as fabriqué pour remplacer le Dieu que tu es. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison, contre toute évidence et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant qu'il n'est pas toi. Tu ne leur prêtes pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée, les yeux baissés, de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré de la tromperie de soi et rendu libre. Tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule et de percevoir sa douce main t'invitant à regarder tes dons. Mais comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Il te ferait rire de cette perception de toi-même, le Christ. Où est l'apitoiement sur soi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et la justice t'a enfin rattrapé. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable soi que tu pensais être toi pourrait bien ne pas être ton identité. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Peut-être que les dons qu'il te fait sont réels. Peut-être n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli et sur la voie que tu as choisie sans ton soi majuscule. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ton soi majuscule. Il ne sait rien, Dieu, d'un plan si étranger à sa volonté. Il y avait un besoin qu'il ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. C'est tout. Et toi, à qui cette réponse a été donnée, tu n'as plus besoin de rien d'autre que cela. On parle bien du pardon. Maintenant, nous vivons, car maintenant, nous ne pouvons pas mourir.
Le souhait de mort a reçu sa réponse et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétendais être. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique de point. Ouvrez les guillemets. Il n'en est rien. Fermez les guillemets. Il montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse. Et il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Or, il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée, car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire, à fabriquer, pour t'y cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a faits. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont les tiens. Voyez, c'est vraiment l'image qui me vient pour vous, c'est vraiment la fille ou le fils d'un roi qui a tout reçu en héritage, tout, et qui décide de tout quitter par orgueil, quitte à être dans la misère, dans la pauvreté, pour faire son chemin lui-même. Et qui, à un moment donné, oublie qu'il a un compte en banque avec des millions, voire des milliards dessus, qu'il ne manque de rien, qu'il aura toujours tout. C'est ça dont il faut prendre conscience. Il n'en est rien, voilà. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs. Il n'en est rien. Oh, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de santé, j'ai peur de manquer d'amour. Il n'en est rien. Si tu voulais bien accepter que tu as tout reçu et commencer donc à agir, à penser, à agir à partir de ça, même si tu n'en as pas la preuve, c'est bien ça la foi, les preuves viendront et les comptes en banque s'ouvriront. Et les dons arriveront, et la joie arrivera, et l'amour arrivera, etc., etc. Or, il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée, car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul, et c'est comme ça qu'on les reçoit. Aussi, en le donnant, en le partageant, en le donnant. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire pour t'y cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que tu as faits. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont les tiens. Les dons sont à toi, confiés à tes soins, pour que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits, leurs désirs. C'est toi maintenant qui leur enseignes, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur, non pas en allant prêcher, non pas en essayant de parler à partir de l'ego d'ailleurs, mais en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'a été confié. D'ailleurs, ne te fais pas avoir en ayant de la peine pour les autres, en ayant du chagrin pour le monde, en disant « mon Dieu, que le monde est triste et malheureux ». Non, témoigne de toute la richesse qui est la tienne depuis que tu es sur la route, depuis que tu es dans le rêve heureux. Pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui m'écouteront un jour, témoigne
montre qu'il y a une autre voie sans rien dire, juste en vivant, en étant, en témoignant. Et le Saint-Esprit, qui sait tout, t'enverra des personnes qui viendront, t'enverra à croiser, à voir des personnes qui, au bout d'un moment, pourraient te dire « Comment tu fais ?» Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui a été confié. Aux pleurs, tu réponds par un sourire. Aux discussions de mort, tu ne rentres pas. Tes soupirs trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Donc, ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'a été confié. Car sinon, tes soupirs trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fera que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Bah oui. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Voilà. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Et ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ça, c'est comme ça qu'on donne ce qu'on a reçu. Ce qui t'est confié maintenant. Vous voyez, tous les jours, il nous en dit un petit peu. Il nous demande d'y aller. Fais ci, fais ça. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que les touchés du Christ, de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter ses dons et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi. Et maintenant, tu vas la partager avec le monde. Alors évidemment, ça ne sera peut-être pas avec nul des prophètes dans son pays, comme dit Jésus. Peut-être pas avec votre famille. En tout cas, ce n'est pas votre famille qui... peut-être pas, mais... C'est peut-être pas votre famille qui va venir vous demander comment tu fais, te demander des conseils. Parce qu'ils vont vouloir tenir dans leur esprit l'image qu'ils ont toujours eue de toi. C'est pas non plus à tes anciens amis. Toujours pareil, sauf exception. Qui en général se dispersent, même si tu restes en contact, comme si comme ça, mais... Quand tu suis cette voie, d'autres personnes viennent à toi. Le Saint-Esprit t'envoie ceux qui sont prêts pour toi et toi aussi, tu es pris pour eux. Ce ne sont pas forcément des relations durables, ça peut être juste des personnes que l'on croise. Peut-être même qu'on croise une fois, mais témoigne de ton bonheur. Voilà. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. C'est une merveilleuse leçon. Dieu te confie le soin de donner ses dons, car tu les as reçus. Il a partagé sa joie avec toi et maintenant partage ta joie avec les autres et ne te préoccupe de rien. Le Saint-Esprit te dira où aller, quoi faire, quoi dire, s'il y a à dire.
Tout est entre ses mains. Toi, tu dois juste rayonner. Quand tu as reçu le salut, tu le donnes aux autres. Voilà, restez bien avec tout ça aujourd'hui, le plus possible, comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.